Bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous accueillir pour la sortie promotionnelle de notre CD enregistré en mai dernier à Vielle-Tursan. Nous l'avons bien sûr caché dans notre coffre-fort afin d'éviter tout risque de fuite ou de vol. Un mécanisme ultra complexe où chaque symbole représentatif du monde d'Intermezzo constitue un véritable antivol. Admirez. Oh non, tous les éléments de notre monde ont disparu. Intermezzo a perdu son monde. Comment pourrait-on faire? Je ne vois qu'une solution. Je vais faire appel à mon vieil ami l'inspecteur Gadget pour nous aider à le reconstituer. Car sans avoir récupéré tous les éléments de notre monde, il nous est impossible d'actionner le mécanisme d'ouverture qui mettra à disposition le CD. Je vais aller téléphoner à l'inspecteur. Une dernière chose, s'il arrive, s'il vous plaît, aidez-le à mener à bien son enquête. Allez, bonne enquête à tous, et en musique, bien sûr. À qui ai-je l'honneur? Le quoi?
Le bateau? Moi, prendre le bateau? Ouais, d'accord. Merci. Hervé, je sais pas trop comment te demander ça. Est-ce que tu aurais un bateau sous la main? Écoute, je pense qu'on peut trouver ça. Oh, tu es trop fort. Thank you.
Merci, c'est gentil, mais vous savez, j'ai encore rien fait. Le monde d'Intermezzo n'est toujours pas reconstitué, mais je suis sur lui. Ah oui, d'accord. Hervé, tu sais que c'est du charabia, ça? C'est un code? C'est un code. Pour les initiés seulement. Méfie-toi. Dis-moi, Hervé, plus sérieusement. Tes musiciens, ils ont vraiment rien à cacher? Je sais pas, j'en sais rien, en fait. On se dit pas tout, tu sais. Toi, enquêteur, je pense que tu dois en savoir pas mal à ce stade-là. C'est pas faux. Je cherche des poux dans la tonsure. Debout, s'il te plaît. Ouh, t'es trop grand, là. Affaisse-toi un petit peu. Voilà, c'est bien. Dis-moi, Paul Rémy, tu as vraiment rien à nous dire? Non, rien. J'ai mené ma petite enquête, tu sais, Paul Rémy. Et je me suis laissé dire qu'aujourd'hui, c'était ton anniversaire. Et tu comptais nous le cacher longtemps? Allez, reste debout et musique. Rien à cacher, c'est ça, oui. Et ça, là, Hervé, rien à cacher, mademoiselle. Viendrai voir après le concert, hein. Regarde ça, c'est pas un indice. Oh, il y a un petit message discret accroché à la patte. Je vais t'aider. Qui a-t-il donc écrit un parchemin? Waouh, magnifique. Prends l'avion et va au Brésil. Décidément, le Brésil. En ce moment, tout le monde verrait, quoi. Bon, le Brésil, c'est par où? Bon, ben, j'ai qu'à suivre l'équipe de France de football. Thank you.
Mais qui t'a mis dans un état pareil? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Je t'explique. Le Brésil. Le Brésil, Hergé. Oui, oui. Oh, le carnaval, le Rio. Le carnaval, les plumes, les paillettes. Oh là 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 là. T'as l'air d'avoir passé un bon moment. Mais tout à fait. Là, c'est danseuse brésilienne, là, à moitié habillée, là. Oh. Alors, tu me connais, Hervé, hein, je suis un grand professionnel. Il a quand même fallu que j'interroge les danseuses. Ah oui. Ah oui, pour le bien de l'enquête, pour les indices, tout ça, t'es en réseau, tu penses bien. Alors, c'est pas compliqué, hein, technique d'approche irréprochable. Danse en diabée, chaleur de l'été, boisson alcoolisée, j'ai fait un tabac. Rosita, elle s'appelait. Elle avait, comment te dire, hein, elle avait ce petit short brésilien, hein, recouvert de plumes majestueuses, là, qu'elle faisait frétiller par des déhanchés rotatifs et sont tout assez sensuels. Ah, mon sang n'a fait qu'un tour. Et alors, ce n'est vraiment qu'en fin de nuit que j'ai réussi à la... Non, c'était une brésilienne. Ce n'est vraiment qu'en fin de nuit que j'ai réussi à lui voler une plume. Enfin, une de ses plumes. D'accord. Ah là là. Quelle nuit torride. Une invasion de parfums, une invasion de couleurs. Le Brésil, le charme de Brésil. Dans toute sa splendeur. Thank you.
désolé. C'est pas moi, je t'assure. C'est elle qui me commande de réveiller. Elle cherche à me dire quelque chose. Rends-toi au pays des mille et une nuits et trouve la lampe. La lampe. Thank you.
Oula, t'as l'air d'avoir chaud. Qu'est-ce qui t'arrive? Là, je reviens du pays des mille et de nuit, là. Ah, c'est que du désert. Ah oui. Ah, pas plus de 6 degrés en ce moment, mais bon. Ouais, par contre, alors, de long, en large, en travers, j'ai pas trouvé la lampe. Hein. Alors, oh, c'est pas possible, quand si, même. Si, j'ai pas trouvé. Alors, moi, je suis plutôt dans l'idée que quelqu'un d'intermezzo l'a égaré par inadvertance. Ça peut arriver. Alors, par contre, là, je veux tout le monde sur le coup, là. Une lampe d'Aladin, hein, le premier qui la trouve, il vient me voir. Ça vaut aussi pour vous, les musiciens. Par contre, Hervé. Moi. Là, je ne serais pas possible. Est-ce que ça serait pas possible de faire une petite pause, un petit truc comme ça? Genre un entracte? Un entracte. Un entracte, c'est bien? Voilà, c'est très bien. Je pense qu'on ne peut pas le laisser comme ça. Il a assoiffé. Je crois qu'il a besoin de reprendre un petit peu fort, son énergie. Donc j'en profite pour vous aussi, ne le laissez pas tout seul. Je ne sais pas s'il va arriver dans cet état à retrouver le chemin qu'il a pu faire. Je pense qu'on aurait tous à la lui, l'accompagner. Il y a des crêpes, il y a des boissons, il y a de la convivialité, il y a de merveilleuses hôtesses. Voilà, qui pourront vous servir. Donc je pense que c'est l'occasion de faire un entracte tous en commun. Donc 15 à 20 minutes d'entracte. Merci.
Mais l'inspecteur, il est où? Je suis là, chef, je suis là. Ah, d'accord. J'étais sur le coup, tu penses bien? Bah oui, mais... Je ne te regarde pas, je m'inquiète. Oh. Ça va? Oui, ça va, j'ai essayé de faire comme toi, mais... Ouais. Pas réussi. Des années de pratique et de travail. Puis en général, j'ai un petit trampoline en contrebas qui permet de... Voilà, c'est pour ça. Bon, il faut. C'est pas tout. Alors oui, j'ai mené l'enquête. J'ai une petite fille qui m'a donné un petit dessin avec la lampe dessus. Waouh. Enfin, mignon ça. Hein. Ah, c'est très beau. Donc ça, c'est Rosita, c'est autre chose. Alors, bon, j'ai rien trouvé, non, en fait, j'ai strictement rien trouvé. Alors, là, on va pas y passer la soirée, sinon le concert, c'est terminé pas. Donc là, moi, je mets tout le monde sur le coup, là, les musiciens, le public, tout le monde regarde sous sa chaise. Allez, on y va, hein, on perd pas de temps. Hein. Allez, tout le monde regarde sous sa chaise. Comme bien, quelque part. J'ai pas de chaise, moi, mais... On va chercher? Non, j'ai pas. Bon, vous l'avez pas trouvé? Comme... Non, c'est pas ça. Hein. Personne? Allez, regardez-moi ça! Remuez-moi ce centre, là, il va bien être quelque part. Donc, ah! C'est pas la pluie, ça. Non, c'est pas la pluie, oui. Non, on est embêté là, parce que. Il me faut vraiment la lampe. Non, parce que je l'ai pas dans le sac. Quelqu'un peut m'amener la lampe, là, s'il vous plaît? Ah! De la question. Il est mignon. Bah, je crois qu'on peut l'applaudir, hein. Nous sommes la soirée. Hein. Oh, merci. Ah, c'était dans ça. Tiens, tu sais ce qu'on va faire? On va pousser. On va être hydré comme une triche. Hein. Ah, bien, comment tu t'appelles? Georges. Mais non, moi c'est Paul. Ouais. Quel âge tu as, Paul? 7 ans et demi. C'est la première fois que tu viens à Air-sur-Adour? Non. Et tu es venu tout seul? Non plus. Et à ton papa et ta maman? Ma maman. Que ta maman? Et est-ce que tu peux me montrer ta maman? Là. Ah. Elle est charmante. Dis-moi, Paul, elle n'aurait pas été danseuse brésilienne? Non. Non, parce que je suis à la recherche d'une... Enfin, je m'égare. Paul, est-ce que c'est la première fois que tu vois Hervé d'aussi près? Non. Bon, et comment tu le trouves? Petit. Désolé Hervé, hein. J'y suis pour rien. C'est bien, c'est bien. Est-ce que... Tu vas nous chanter une chanson de Hervé. J'en connais pas. Bien sûr, il n'en a jamais écrite. Est-ce que tu vas vouloir chanter une chanson, s'il te plaît, Paul? Les gens réclament. Hein, les gens réclament. Paul, une petite chanson. Lala. Lala. Ouais, bravo, merci Paul. Pour Paul, on va donner une note, s'il vous plaît, musicien, une note, ça ne devrait pas être trop dur pour vous. Bravo, Paul. Sous vos applaudissements, le petit Paul. Toute ressemblance avec des personnes ayant existé, purement fortuite. Alors, oui, donc c'est ça alors. L'indice. Oui, tu m'as dit, peut-être qu'en un petit peu, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? T'as regardé... Comment ça fonctionne, une lampe, je sais pas. T'as regardé Disney, toi, souvent, hein? Oui. C'est le deuxième, d'ailleurs, celui-là d'Aladin, mais je l'ai vu aussi, oui. En effet, oui. Comment ça marche? Bienvenue, jeune Padawan. Soucieux, vous me paraissez. Question, tu peux poser. Question, oui, ben question, je dois retrouver le monde d'intermezzo, là, je suis un petit peu à sec. Vous n'auriez pas des éléments là, me montrer la voie?
aventure. Par la vallée des Cambras, tu passeras. Tu apprendras à maîtriser la force. Puis, tu prendras à droite, à gauche. Tu feras deux tours sur toi-même, tourne-côté tourne-côté. Et tu tomberas sur une maison nommée Domicilatore d'Intermezzo. Comme dans toutes les maisons, tu trouveras la clé sous le pédasson. Une fois à l'intérieur, tu te dirigeras vers le cellier où tu trouveras tout le nécessaire pour faire le ménage. En effet, le maniement de l'épée nécessite un poignet souple. Le coup de balai te l'apprendra. Il faut que ça brille. Intermezzo, quand on dit passer ses futures vacances, j'espère que tu as bien compris ta mission. Oui, hein, monsieur l'inspecteur, as-tu bien compris ta mission? Oui, la vallée de Cambra, j'ai compris. Le ménage aussi, mais au moyen. Très bien, parfait. Alors la vallée de Cambra, c'est par où? Ah, c'est par là, mais d'abord, une fois que tu seras toujours à la maison, tu te dirigeras vers le salon. Tu te glisseras sous la cheminée et le conduit te remontera jusqu'à toucher les étoiles. Va, et que la force soit avec toi, jeune Padawan. Merci, maître Yoda. Thank you.
Moi, je trouve bien. Ton petit passage à la vallée des campagnes, t'as pour sûr fait du bien. Oui, allez, regarde ça. Gogo Gadget AEP. Ouf, on n'y est pas du tout. Il y a encore du travail. Gogo Gadget AEP. Coco Gadget IP. Oui, oui, oui. Bravo, on peut féliciter. Bravo. Ça, c'est le combat. J'aime pas les web. Coco, t'entraîner, tu vois. Ne te fais pas piéger. Qui veut? Surtout, quand on est sa médaille. Hein, monsieur le spectateur, on est quel jour aujourd'hui? Ben, on est sa médaille. C'est bien ça. Pas de diplôme de médaille, le sa médaille, uniquement le jeu. Que la force est avec toi. Thank you.
Maître Yoda, où dois-je aller maintenant? Quand tu deviendras très grand. La graine de vie, tu devras trouver. Elle représente la force. Trouve-la et tu pourras entreprendre ton retour sur Terre. La graine de vie. Faut que je trouve la graine de vie maintenant. En même temps, qu'est-ce que la graine de vie? Qu'est-ce que la graine de vie? Personne ne sait alors. Je suis pas énervé, je peux te le dire. Viendrai me voir dans mon bureau après le concert. Hein. Vous voulez continuer, c'est ça? Bon, ok, je vous laisse. Mais je vous ai à l'œil. Hein. Thank you.
qu'est-ce que tu fais là? Ah, ça y est, la graine de vie. Oh, ah oui, j'ai oublié la graine de vie, ça y est. Tu l'as trouvé. Attention, attention, attention. Attention. Oh, mais qui a mis The Rock là? Ah.
plaine vallonnée, herbe grasse, de couleur verte, des petits moutons blancs, une église en ruine en haut d'une falaise. Ça te rappelle rien, Harry? C'est l'Irlande. C'est l'Irlande. Il y a un indice là-dessous. Le symbole de l'Irlande. Thank you.
Le logo d'Intermezzo
fait ici par une musicienne, bien sûr. Il s'agit de Lily Théo, qui est juste à côté. Et donc, je crois qu'on va, on peut l'applaudir. Mais attendez, avant que je alors, évidemment, c'est le plus beau, hein. Voilà, ça fait exprès. Ça va, Hervé? C'était prévu comme ça en même temps, hein? Donc, ils sont dans son univers. Voilà, donc c'était un peu pour. Mais je pense que maintenant on va essayer de. Parce qu'en fait, l'origine, cette idée, c'est qu'on avait, pour éviter que le CD soit divulgué avec trop d'avance, vu que ça fait deux mois qu'on l'a reçu, on l'avait caché dans le coffre. Rappelez-vous. On avait perdu tous les éléments, maintenant ils sont constitués, on peut accéder à votre précieux et vous le délivrer. On va essayer tout ça. Alors. Je crois qu'il y a un souci là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une idée aussi. Je comprends pas. Le problème, il y a un problème, en effet. Non? Hervé? Ouais. Il faut la clé. Oh! Évidemment. Eh bien oui, c'est des erreurs. Excusez-moi, je vais chercher la clé. Évidemment, on a avancé. Une petite clé de sol. Je vais essayer de. Merci beaucoup. Donc tout ça pour ça. Voilà. Maintenant le voilà officiellement sorti. C'est aujourd'hui, voire d'hier. Voilà, donc on est ravis. Pour nous, ça a été une expérience humaine fabuleuse. Beaucoup de fou rire, beaucoup de travail aussi, beaucoup de concentration, l'investissement de tout un groupe, et même plus que du groupe de musiciens, mais aussi que les amis d'Intermezzo, qui sont. Là, il y en a par exemple, là, je pense à deux personnes qui sont en train de s'affairer en fait aux cuisines qui étaient hier. Pour le repas de ce soir, pour les aider. Donc il s'agit de Pascal et de. Élodie. Voilà, Élodie, donc je les remercie beaucoup. Et je vais remercier un peu le gars. Voilà. Il y a Dédé Christine, Dédé Piolo aussi qui est là-bas aux entrées. Vous connaissez tous. Il est en avec vous, bien sûr. Il y a Christine à côté, Christine Carré, qui nous a fait. Il se tient prêt à les aider. Bien sûr, n'hésitez pas. Si vous voulez, tous les bis sont bien sûr le programme intégralement et bien sûr dans ce CD. Voilà. Ce que vous avez eu dans le programme, c'est exactement ça. Les éléments constitués. Je voulais remercier aussi, bien sûr, notre inspecteur, Sébastien à la technique, Sébastien Massu. Je voulais remercier tous les musiciens du groupe qui ont fait un travail. On va se lever. Et pour terminer, je voulais aussi remercier aussi un petit peu les têtes pensantes, ceux qui font avancer aussi le groupe, et ceux qui s'investissent un peu plus que les autres, parce qu'ils sont, ils décident de s'investir dans l'intérieur du bureau. Voilà, donc ce bureau, c'est la présidente, sous la présidence de Fanny Guédé. Si même je leur demande de rester debout. Voilà, je crois que vous voyez bien. Voilà, le nom du bureau.
chance, quand même. Voilà, tu m'en viens, j'ai beaucoup de filles avec moi, donc ça fait plaisir, ça fait tout. Je te vois tellement bien, donc merci pour ça. Toujours très belle, voilà, toujours parfait. Voilà, donc c'était le bureau, et la dernière pensée, bien sûr, à tous les sponsors qui nous aident, donc le Crédit Agricole, qui a bien voulu faire toutes ces communications au niveau des affiches, le Crédit Agricole, la mairie. Je remercie M. Vizino qui est en personne, présentant la mairie d'être là ici présent, Mme Pampard qui était là aussi, Michel, pour me faire confiance. Je remercie mon neveu aussi qui est là, d'être venu. Et voilà, donc un grand merci à vous aussi d'être là, de nous suivre chaque année plus nombreux. Ça fait plaisir, nous on a beaucoup de plaisir avec ce genre de spectacle. Et voilà, ça fait partie de notre monde. Et ça apporte un petit peu le piment à la musique. Voilà, merci pour tout. D'être venu sur nos voix. Et merci.
Merci beaucoup. N'hésitez pas à jeter à voir en vous. Tout le monde doit avoir ce CV, ce CV d'intermédiaire. N'hésitez pas à le voir. Hein. Ça me fera plaisir. Merci. Au revoir.